monde, c'est Jojobest et on se retrouve, oula le bug, pour une nouvelle vidéo de comment créer un canon AT&T super puissant. Enfin, ce qu'on avait testé. Donc, je suis accompagné de Skyfall. Hello! Et nous allons vous présenter nos canons AT&T, chacun différent. Vas-y Skyfall, je t'en prie, commence. Oui. Donc voilà les miens. Donc c'est pour qu'il aille plus fort. Pour que le canon TNT soit moins puissant, il faut mettre moins de TNT et réduire un petit peu la distance des répéteurs que vous mettez. C'est amusé. Donc pour le construire, c'est très simple. Il faut... je vais le construire là-bas. Tu peux continuer à essayer de t'entraîner si tu veux. Donc je ne te le casse pas. Donc pour le construire, c'est très simple. Le mien, il suffit de l'obsidienne pour ne pas que la TNT casse les blocs. Une source d'eau que vous placez comme ceci. Vous mettez... Il faut tout boucher. T'as cassé mon canon? Non. Donc il faut mettre de la... Vas-y. L'explosion était tellement forte que j'ai parti dans le nether. Donc il faut mettre un bloc de source d'eau. Il faut qu'il soit à fond. Vous remplissez tout sauf la source, hein. Donc si vous avez peur de casser la source, vous mettez un bloc juste ici. Vous mettez un bouton de la redstone pour activer cette TNT, de la redstone ici, donc des répéteurs pour que la TNT qui sera en haut, qui sera là, ne ne se casse pas. Tu me paierais. Donc voilà, ensuite on monte. Donc la votre redstone ne cassera pas, sauf si quelqu'un vient la casser, mais normalement ça ne cassera pas du tout. Donc, comme ça. Vous mettez... Oui. Non, arrête. Vous mettez de la redstone, encore un repeater. Ah bon, il y a des tests. Hein. Non, fail. La première fois que je fais un tuto pour la canon, les canons de TNT, donc. Il s'amuse, excusez-moi, il est juste un peu con. Donc voilà, je vous remontre. Une source d'eau. À son maximum. Remplir tout de l'obsidienne, même en bas. Remplir de la TNT. Boucher la source d'eau comme ceci juste en haut pour ne si vous avez peur de casser votre source, de la redstone qui relie, des répéteurs pour que le délai de la TNT ici qui va casser ta fail qui va casser soit voilà. Donc test. Regardez la puissance du canon. Je vous remonte ça. Et si vous trouvez que votre canon n'est pas assez puissant, vous pouvez rajouter des repeaters. Hein. Donc, encore une fois. C'est pas grave, c'est un petit peu... Oula. Même casser ma redstone. Ça marchera pas, j'ai cassé la redstone. Donc comme ceci, regardez. Genkiman va le faire. Regardez donc la puissance. Oui, il est moins puissant. C'est parce que c'est toi qui le fais, regarde.
Donc... Ouf... Ça a failli activer la redstone. Regarde-moi. Ne touche à rien. Tu verras que le canon sera très puissant. Faut juste... Voilà. Remplir. Ici. Toujours... Ne pas oublier de mettre la canon ici, sinon votre redstone est un petit peu fichu. Donc, mets le jour, s'il te plaît. Regarde si mon canon n'est pas puissant. Merci. Regarde donc si le canon n'est-il pas puissant. Regarde bien la trajectoire de ma TNT. Regarde, regarde. Home run. Donc, je vous remontre. Tu veux que je te montre comment j'ai été expulsé dans les heures? Comme ça. Donc... voilà. Maintenant nous allons passer au... Wow. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? What? Qu'est-ce que tu fais là? Donc maintenant nous allons passer au canon ATNT de Skyfall, si tu veux l'expliquer. Ouais, je suppose que tu le connais. On m'a bien expliqué, c'est toi qui l'as fabriqué. Oh, tu sais. Bah peut-être, hein, mais je ne le connais pas par cœur, moi. T'as pété une redstone. Non. Donc on fait une seule face de obsidien, ou obsidienne comme dit. Comme il dit le petit jugeau. On le fait où? Ouais, juste à côté. Donc de 5 de large. T'en as mis 4 là. Tac. Explique hein, parce que juste pour voir. Tu veux que j'explique quoi? Oh. Je fais ça sinon il sera pas assez puissant. Non, pas encore. Hein. Et tu vois pourquoi il fait ça? Ici il ne l'a pas fait. De quoi? Ben... une surface d'obsidienne. Ouais, tu fais comme moi, tu remplaces la terre juste en dessous de l'eau. Non, il y a comme ça. Donc il met de l'eau. Ici il y a un peu trop grand. Voilà. Oh, c'est pas grave, on va laisser là. Ici on doit reboucher. Sinon. Pas obligé. On fait ça. Si. Sinon quand on fait ça. Ouais, c'est juste. Si vous avez peur de casser la source d'eau et de la devoir la remplacer, reboucher comme Skyfall. Ouais, mais moi c'est beaucoup mieux parce qu'après je peux mettre le bouton et l'actionner là. Oui. Donc ici on met le répéteur à 4. 3. 4. Sinon il... Ouais, mais c'est 3 maximum. Ouais. 1, 2, 3. Non. Voilà. Et ici on met toute la redstone pour... Jusqu'au bouton, je suppose. Oui. Pour et nous, on n'a plus qu'à mettre la TNT. Mais bon, il est moins puissant que celui de Jojo. Et voilà. Bug. Oula. Oui. Des fois, la TNT, ça met mal. Donc, je vous remontre. Oula. Il y a des bugs. Attends, t'as oublié. Oula. Je vais juste baisser leur render distance pour que vous voyez correctement. Donc, vous voyez tout juste le mur. Regardez. Ça active et pouf. Ça pète et ça et comparé au mien. On fait 3D un go. Ouais si tu veux. Oh. T'es prêt? Attends. Je vais juste mettre en cours pour qu'il voit un peu plus. 3. 2. 1. Go. Go. Donc regardez qui sera le plus puissant.
C'est le mien. C'est le tien, oui. Donc c'était JojoBest et Skyfall pour un tuto de comment créer un canon AT&T. Salut tout le monde. Salut.